Bonjour Tisette, voilà, je finis la coque et chic, ma troisième. Nous sommes vendredi 26, je finis. Après, on s'occupe de la d'écraser les perles qui sont un peu surélevées avec le petit rouleau. Après, je la brosse et après, je mets le vernis colle. Et je ferai tout ça avec vous. Et grâce à Gaëlle, une abonnée qui m'a envoyé les perles. Très gentille. Comme ça, j'ai pu la finir. Parce que le temps qu'il me renvoie des perles. Puis de toute façon, ça fait un moment que j'avais commandé celle-ci. Mais bon, il manquait deux sachets. Même pas deux sachets. On met un peu partout, comme ça va faire des trous. Comme si je choisis un petit damier. Et après, je la posterai sûrement en juillet parce que je voudrais avancer sur les deux toiles. C'est mes tournesols et pas quoi qui est chic de ma nièce, mes deux nièces. Et comme ça, je filmerai les avancées de mes toiles en même temps. Oh, l'alcool, on fait du bruit. J'aurais pu mettre un petit peu de musique. C'est vrai. Attendez. Hop. Je vais remettre tout de suite. Ce sera moins monotone. Alors. Par exemple, celle-ci. Téléchargez l'appli Audible. Votre premier livre J'ai audio oublié est qu'il y avait la offert. pub. Audible, Désolé. raconte-moi une histoire.
peut-être un petit peu fort. Allez, le dernier diamant. Et voilà. Ça y est, elle est terminée. Alors ici. Je vais vous mettre sur pause. Je prépare le rouleau, la brosse. Et on va voir pour la suite après. Bon, bah, me voilà. On va faire la coquille chic. On est bon, c'est parti. Si ça veut bien tourner. Ah. Oui, il faut que je fasse comme ça. Bien écrasé. Ça bouge, hein, je suis désolé. Non, je vais me servir. Il n'y a pas eu trop de crasse. Non. Maintenant, on va brosser. On va tout exalter. On a pu accumuler pendant le l'été. Il n'y en a pas trop. Voilà. On va voir l'autre. Donc ça c'est un écart. Voilà. Moi je sens rien. Je sens pas de terre qui... qu'elle aurait pu sauter. Il faut que j'investisse dans un rouleau à pâtisserie. Ah, j'ai perdu une perle là. Il faut que j'aille en chercher une autre. Ah, j'ai rangé. J'aurais pas dû. Non. Bon. Bon ben voilà, alors maintenant je prends mon bol, mon pinceau, ma colle vernis de Cléopâtre. Je ne vais pas en mettre beaucoup parce que c'est pas une grande toile. Voilà. Et je mets un petit peu d'eau avec. Vous avez vu, j'ai pas mis beaucoup. Voilà, vraiment un tout petit peu. Puis je mélange. Comme ça, il y a moins de dépôt de colle sur l'étoile. Parce que là, il y a du noir. Et ça m'est arrivé sur ma première coquille chic, la grande 40-50. Et elle est plus. Oh, je sais plus combien elle faisait. Celle-ci, elle fait 40, 50 sur 40.
Et j'avais des pots, je sais plus combien elle faisait l'autre. 60 sur 40, 50, je sais plus. J'avais gardé mon cahier, mais bon. Bon, ben voilà, on va commencer. Ça va faire du dépôt blanc, mais ça, c'est pas grave. Alors, quand vous prenez du vernicole, hein, moi maintenant je mets toujours de l'eau avec parce que je vous dis, ça laisse des dépôts. Ça laisse des dépôts sur le noir, on voit bien les dépôts et la brillance n'est plus vraiment si nickel que ça. Alors, je suis obligé de mettre de la laque pour que ça brille. Je crois que j'en ai pas fait assez. Bon, c'est pas grave, je vais recommencer. Non, je vais pas assez. Je vais faire que la moitié. Je vais recommencer. Je pensais que j'allais en avoir assez, mais non. Je n'ai pas été assez gourmande. Je laisserai sécher et après je repasserai une deuxième couche s'il faut. Mais ça, vous ne le verrez pas. J'en mets un petit peu plus que tout à l'heure. Je rajoute de l'eau. Oh, désolé. Vous me direz en commentaire si vous voulez voir mon rangement de mes perles après un dépôt terminé. Parce qu'il y en a qui, je sais que j'aime pas trop, alors je ne veux pas non plus embêter, vous embêter avec ça. Et dans une prochaine vidéo, je vous ferai voir, une fois qu'elle sera sèche, je vous ferai voir en vidéo le rendu. Voilà, j'en ai assez.
Bon, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Il faut prévoir le final. Et je vous dis pour la suite, je ne sais pas quand ça sera en juillet pour vous faire voir l'avancée de mes toiles. Voilà. Ben, je vous dis en juillet. Et pour ceux qui suivent jusqu'au bout, ben, à tout à l'heure. Ben, nous revoilà en juillet. Nous sommes le samedi 11. Alors voilà, ici, j'ai mes trois toiles. Et ce matin, j'ai encore reçu des colis. Au mieux tard que jamais, hein. Alors, je vais vous faire voir. Alors ici, je mets tout ce qui est diamant, tout ce qui est des perles. Excusez-moi. Hop. Et ici, j'ai marqué ce que c'était. Hein. Voilà. Regarde, j'ai Semeline. Là, ici, il est marqué Gorgeous Défi. Bon, j'ai les deux numéros à faire, le 3 et le 11. Alors, le 3, il est juste là. Et le 11, il est au-dessus. Voilà. Ici, ça, c'est bon. On peut enlever. Hop, je mets avec. Alors, ici, voilà. Voilà mon avancée de ma petite Gorgeous, quoi, ma petite. Elle fait quand même, je sais plus, attendez, je vais vous dire ça. 50 sur 45, je crois, je suis plus sûre. Voilà mon avancée, voilà ce qu'il me reste à faire. Après, nous avons les tournesols pour mon autre nièce. Voilà. Voilà ce qu'il me reste aussi à faire. Mais bon, ça avance tout doucement. Tout doucement, mais sûrement. Mais bon, j'en fais trois à la fois, quoi. Alors, puis mon petit Bouddha qui me surveille. Voilà. Vous avez vu mon avancée. Ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, quoi. Prochain vlog. Et passez un bon week-end. Bisous tout le monde. Bonjour pilote, bienvenue sur ma chaîne, la chaîne de la Ch'tibudépé. Alors, sur la vidéo précédente, je vous ai dit, je fais la suite, alors j'enlève ça tout en parlant. Je vous dis bon week-end, mais non, j'ai pas réussi à la mettre, je sais pas pourquoi. Et bon, j'ai remis à jour mon logiciel. Et là, on est le 13 juillet, puis je vous dirai. Bon, 14 juillet. Alors ici, j'attaque la Gorgeous de défi. Je fais le numéro 3. Et le 11 aussi à faire. Oula. Alors je vais commencer avec vous. Alors, j'espère que tu vas bien voir ce que je fais. Oui, je vais le faire. Alors, ici, c'est les H. Les H 37-52. J'ai mis tout ça là-bas. Oh, putain. Oh la catastrophe. Oh là là. Moi, j'en fais des bêtises ce matin. Ah oui, il est 9h30. Ça fait comme le sachet que j'ai ouvert, que j'ai mis sur Facebook. Bon, je vais prendre ma pince. Voilà. Alors, normalement, c'est de la musique que je vous ai mis, c'est pour ce qui est marqué. Pour éloigner les ondes négatives, toxiques, et purification du corps et l'esprit.
Voilà. Encore un là. Allez, c'est parti. Là, je fais le dernier avec les haches parce qu'il y en a beaucoup.
Ah, qu'on lit ensemble, c'est dingue. Bon, voilà, je vais encore avancer un petit peu avec vous. Je mettrai sur pause ou j'arrêterai, je ne sais pas. Et quand j'aurai bien avancé, je vous reprendrai. Alors, je change mes mains parce que j'ai vu que souvent je mettais mes mains devant. Là, j'essaye de faire attention. Ah non, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai baissé le son et je ne sais pas sur quoi j'ai appuyé, sur lequel que je vais aller. Bon, ah, tant pis. Je remettrai plus tard ce que j'avais mis. J'ai trouvé ça sympa.
Excusez-moi. Je vais savoir que ça arrive fort. J'essaye de finir tout ce qu'il y a dans la petite barquette avec vous pour qu'on puisse, que je puisse, pardon, mettre sur pause, continuer et vous reprendre après. Bon. Il ne reste plus grand chose parce qu'il y en a qui sont collés ensemble. Hop, encore 2-3. Allez. Allez. Non, ils veulent pas se retourner ces deux-là. Allez, mon plaisir, pouf. Oui, j'arrive, le chat. Voilà, voilà. Puis il y en a deux qui sont restés collés ensemble. Je vous mets sur pause et je vous reprends plus tard. Bonjour, Tisotte. Nous sommes mardi 14 juillet. J'ai fini le numéro 3. Et là, je fais, quoi j'ai fait, je vais finir avec vous le numéro 11. C'est ce qui était dit pour la deuxième semaine du défi de Gorgeous, le 3 et le 11. Alors, je vais finir avec vous. Je vous mets ça en musique comme vous l'entendez. Il reste les C et les T. Et peut-être des numéros que j'ai oubliés parce que j'ai regardé avant. J'ai tout comblé les trous qui manquaient. Voilà, j'espère que vous avez passé une bonne journée. 14 juillet. Normalement aujourd'hui il devait pleuvoir, mais on a beaucoup de nuages, mais bon, on n'a pas pu. Ça a fait du bien un petit peu au jardin. Oh, ma tablette est même mise en dessous.
peut-être allumé, peut-être que vous verrez peut-être un petit peu plus les symboles que je fais. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. On entend bien quand même le craquement des perles. Et ça, c'est les perles de chez Ofen Official Store. J'ai fini l'essai, j'avais mis sur pause parce que mon fils était venu me parler. Et ben, j'ai fini l'essai. Ben, il reste l'été ici à faire.
Et puis il me manque un petit L ici. Avoir fait le tour des perles qui manquaient, mais non, il en manque toujours. Mais ça, il n'y a pas d'astuce pour savoir ce qu'on a oublié ou pas, parce que là, on croit avoir fini un numéro ou une lettre, et ben non, il y a toujours, toujours un qui manque quelque part. Bon ben voilà, les T sont terminés, il n'y aura plus que le L à mettre. Voilà, le numéro 11 est terminé, le 3 est terminé. Maintenant, le vlog, je vais vous le mettre en ligne, parce qu'il y a plusieurs vidéos à vous mettre. Oui, ça va être faire une bonne petite vidéo. Elle va être un petit peu longue. Voilà, voilà. Bon, moi, sur ce, je te fais des gros bisous, et je te dis au prochain vlog.